Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Max de 15. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de tout et de rien dans cette vidéo. En sachant que mais je vais vous parler des prochaines choses à venir sur la chaîne. En commençant par ce soir où je serai en live sur Twitch. Donc mon Twitch est dans la description. Faites pas attention à mes cheveux, je précise direct. Mais bon, bref, de toute façon, ça va vite être réglé cette histoire de cheveux là. Je vérifie parce que j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier pendant que je tourne cette vidéo parce qu'il y en a qui ont l'air de venir en plein tournage de vidéo comme ça. J'ai déjà eu le cas donc je préfère me méfier surtout que là où j'habite, j'ai aussi des abonnés et ils sont jeunes donc j'ai pas envie qu'ils viennent foutre la merde dans mes vidéos. En sachant que j'ai déjà eu des problèmes comme ça avec des abonnés où je tournais des vidéos, d'ailleurs j'ai dû supprimer les vidéos et pas les poster, où ils venaient tout simplement se cacher et le problème c'est que j'entendais des bruits de... Ça s'entendait que c'était des bruits de pas, tu vois. Ça s'entendait, c'était pas des animaux ou quoi, tu vois, ça s'entendait donc. C'est bon, je mets des cales dans un autre bois parce que j'ai un autre bois chez moi. J'ai un autre bois, mais de l'autre côté. Ici, je suis dans le bois près de chez moi. Mais là, sinon, la dernière fois, j'étais dans l'autre bois. Et puis voilà. Donc, ici, je suis en sécurité. Donc là, c'est bon. Donc, je voulais vous dire que ce soir, je vous ferai un live une petite heure sur Fortnite. En sachant qu'il y a déjà le décompte. Tout simplement de la prochaine saison, enfin le compte à rebours pour l'événement pour la prochaine saison. Alors comment je sais ça? Tout simplement parce que de 1, je suis en tant que CM sur une page Facebook qui a plus de 32 000 personnes et un Twitter qui a plus de 38 000 personnes je crois. Donc toutes les infos de tous les jeux, je les ai en avance. Donc je le sais d'office et voilà. Donc aussi, putain j'ai une crampe. Donc aussi, je voulais vous remercier pour ceux qui se sont abonnés. Gaulé 1K, je compte sur vous. De toute façon, pour ceux qui seront pas venir sur Twitch, ne vous inquiétez pas. Je remets tout le temps la rediff de mes live Twitch sur YouTube. Et puis voilà, aussi je profite pour faire une pub à Ditto, tout simplement. Un pote à moi qui est dans YouTube aussi, qui fait des vidéos, qui fait des lives aussi. Normalement, bientôt c'est en projet, je dois live avec lui sur Fortnite notamment. C'est en projet. Et puis voilà, ce que je compte faire aussi après le confinement, enfin ici on est en déconfinement. Mais une fois que tout sera terminé, des vidéos avec Fluffy se feront, des vidéos dégustation, des sketchs, des pranks, comme j'avais fait où j'ai terminé dans la douche. Mais ça, c'était un sketch qui était déjà prévu. Et ça a fait rigoler beaucoup de personnes. Et voilà, donc ça, ce sera aussi à prévoir à l'avenir. Il y a aussi les conventions où il y a la Made in Asia au mois de septembre. J'espère qu'elle ne sera pas annulée. Début septembre, j'espère savoir y aller avec Fluffy notamment à Bruxelles Expo devant l'Atonium, le joli Atonium de Bruxelles. Pour ceux qui habitent Bruxelles, le savent que c'est un beau machin. Et juste devant, il y a Bruxelles Expo. Il y a aussi la Winter Geek Festival au mois de décembre. J'espère qu'elle ne sera pas annulée non plus parce que j'y vais à Mons Expo. En fait, toutes les conventions que j'y vais, enfin toutes les conventions, du moins la Medinasia, la Winter Geek, ça je vais. J'espère qu'il y aura aussi, c'est la Medinasia à Namur. Je change un peu de bras. Ça, c'était une belle convention aussi, la Medinasia à Namur. Il y a vraiment de tout qui fait que voilà. Après, j'espère aussi que tous les projets que j'avais prévus ne seront pas annulé ou retardé, en sachant qu'il y a des vidéos urbex aussi qui vont se faire, mais une fois que tout sera terminé, c'est en projet, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il y en a qui vont se dire oui mais on est en confinement et tu peux pas sortir. Oh, toi déjà
tu parles derrière, mes chaussures, tu sors. Qu'est-ce que tu dis? T'imagines le mec, tu le vois, il est devant toi, il dit « Ouais, qu'est-ce que tu fous dehors? Tu peux pas sortir. » Ouais, mais qu'est-ce que tu fous déjà dehors, toi? Non, je déconne. Non, mais il faut être sérieux par moment parce que c'est vrai que t'as des gens, ils te font des réflexions. Ouais, tu sors, tu vas choper le virus. Oh, c'est bon, hein, on a le droit de vivre aussi, merde. Vivre. Moi, je respecte les règles parce que ici, je suis dans un bois, certes, mais c'est autorisé. Ça a été autorisé. Les jogging dans les bois et tout, les promenades, on peut. Donc, il n'y a aucun souci. Je suis tout seul. Hein, je suis tout seul et les arbres, ils sont à 1,50 m de moi. Tu vois, les herpes, ils ont même pas le virus, les gars. 50, même plus que 1,50 m. Tu vois, là aussi. Donc, les herpes, ils vont rien me refiler. Je me fous de la gueule un peu des gens parce qu'il y en a, ils pourront directement dire, ouais, mais tu sors, t'es dans un bois, tu peux pas sortir, tu dois rester chez toi. On est en déconfinement. Déjà, t'as des gens, déjà, tu parles de moi qui est dans un bois, qui sort. Déjà, t'as des gens, ils vont dans des magasins de jardinerie. Pour aller chercher quoi, du matériel pour eux, pour chez eux. Oh, c'est pas de première nécessité, tu viens parler avec moi. S'il te plaît, les magasins alimentaires, ok. Mais les magasins de jardinage, s'il te plaît. Ou les magasins de vêtements, ça sert à quoi? Ok, il faut se rhabiller, ok, mais arrête quoi. Il y a des limites quoi, tu vas pas dans un magasin de vêtements en plein déconfinement quoi. Enfin, je sais pas. Bref, moi ça me met les nerfs parce que j'entends encore des gens dire « Ouais, mais il y en a qui sortent pour rien et tout, mais arrête. » Arrête, t'as des gens, ils vont dans les magasins de jardinage, pourquoi? Ben de un, pour soi-disant acheter du matos. Et de deux, pour sortir inutilement. Moi je sors ici maintenant parce que j'ai pas trop le choix, parce que je sais pas tourner la vidéo chez moi et que j'ai envie de prendre l'air. Parce que j'ai envie de prendre l'air et je le dis haut et fort et les critiques, j'en ai m'en fous. Vous savez bien ce que j'en pense et de toute façon, comme je l'ai dit, je suis tout seul. Mais bon, bref. Aussi, j'ai aussi en cours des petits reportages, donc que ce soit dans des lieux abandonnés, Urbex notamment, et aussi d'autres projets à venir. Et puis voilà, donc je vais regarder ça de mon côté, ce sera pas pour maintenant, ce sera à l'avenir et j'espère que ça vous plaira. Notamment ben, ce soir, hein, une fois que je rentre, je vais me doucher parce que tu transpires de la nuit. Enfin, j'ai été me laver ce matin, au bon matin, au beau réveil, mais comme je suis encore un peu fatigué, ben ça va me réveiller, je le sais, et comme ça je serai chaud patate pour le live. Voilà. Donc dès que j'ai fait ça, je lance le live sur Fortnite et on va s'éclater en solo. On va essayer de faire top 1 comme on dit, et puis voilà, tout simplement. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'ai parlé un peu ben, du déconfinement. Des choses que j'avais à dire et aussi la petite pub pour Dito, j'espère que ça lui plaira. De toute façon, sa chaîne Twitch elle est dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, ça lui fera extrêmement plaisir, et à sa chaîne YouTube aussi également, et puis voilà, tout simplement. Allez, moi je vous dis à ce soir pour ceux qui seront présents sur le live. Et je vous dis bye bye tout le monde, c'était Max du 15, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Mes réseaux sociaux apparaîtront bien sûr au milieu de la vidéo. Et puis voilà, allez, bye bye.